Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du SEO Airbnb, comment améliorer ton référencement sur Airbnb. Je vais t'expliquer tout ça, on va aussi après, il y aura une partie plus orientée sur mon ordinateur où on va exploiter les informations qu'on a à disposition sur Airbnb. Mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir, ça va m'encourager à te livrer toujours et encore plus de vidéos totalement gratuites. Je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne, tout simplement tu vas voir tout en bas, il y a un bouton s'abonner, abonne-toi, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la location courte durée, tout ce qui est sur Airbnb. Et puis également aussi sur la sous-location, si tu veux te lancer eh bien, dans un business donc d'immobilier avec un apport très très faible, eh bien, la sous-location, ça existe, c'est possible. Et puis également, si tu veux toi plutôt t'orienter sur la création d'une société autour d'Airbnb, eh bien, je peux te proposer de faire eh bien, ce qu'on appelle la conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, avant de commencer, eh bien, je vais t'inviter tout d'abord à récupérer 3 formations totalement gratuites en fonction du profil que tu as. Si tu as plutôt un profil investisseur, eh bien, sache que je t'ai préparé une formation où je te parle de location courte durée, comment mettre en place ta location courte durée avec les différentes stratégies, comment remplir son calendrier, comment automatiser, etc. Si toi, tu veux te lancer dans l'immobilier, mais tu as très peu d'apport, très peu d'argent, ou tu veux tout simplement pas avoir à recourir aux banques, eh bien, on fait ce qu'on appelle, mais c'est ce que je fais, de la sous-location professionnelle et immobilière. Eh bien, je t'ai préparé également une formation à découvrir tout en bas. Et enfin, si toi, tu veux te lancer dans le business, tu veux lancer un business autour de l'immobilier, accompagner des propriétaires qui font de la location courte durée, eh bien, je te propose de faire et de créer une société qui s'appelle une conciergerie Airbnb. Et grâce à cette conciergerie, eh bien, ça va te permettre en partant de zéro eh bien, de gagner de l'argent et de peut-être quitter ton métro, boulot, dodo et voilà, prendre un nouveau chemin, une nouvelle vie, construire une nouvelle vie à travers ce projet d'entreprise, ce projet de société. Donc là, c'est pareil. Si tu es intéressé par rapport à ça, tu verras, tu as un lien à découvrir tout en bas. Aujourd'hui, du coup, on va vraiment parler de SEO Airbnb. Donc, une première partie où là, je vais t'expliquer les fondamentaux. Et ensuite, après, on va passer vraiment sur mon écran. Je vais te faire voir exactement ce que sur Airbnb, il y a vraiment, c'est vraiment très poussé. Il y a toute une partie maintenant statistique et on va éplucher tout ça. Je sais que c'est une demande qu'on m'a faite, notamment les élèves de ma formation m'ont demandé d'expliquer, de rentrer beaucoup plus dans le détail sur ces statistiques, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, c'est au premier abord, on ne comprend pas forcément comment ça fonctionne. Et du coup, ben moi, c'est vrai que voilà, j'ai quand même une certaine expertise par rapport à ça. C'est des outils que j'utilise au quotidien, tous les jours, même toutes les heures, on va dire. Et du coup, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir toi aussi te permettre eh bien, d'analyser ton marché, d'analyser sur ta ville et de voir ce que tu peux mettre en place pour améliorer ton référencement. Et qui dit améliorer ton référencement sur Airbnb dit forcément prendre plusieurs réservations. Puisque tout est lié, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Airbnb aujourd'hui a un moteur de recherche très compliqué, très, très sophistiqué, au même titre que Google, au même titre que Amazon, qui ont également investi dans des moteurs de recherche très puissants. Bah oui, forcément, parce qu'il y a tellement d'annonces, il y a tellement de concurrence que bah, derrière, c'est des algorithmes qui déterminent eh bien, ta position dans le moteur de recherche. Et bien entendu, tu as bien compris que plus tu es positionné dans les premières pages, plus derrière tu vas prendre des réservations. Et l'objectif quand on est un professionnel comme moi et qu'on fait de la sous-location ou qu'on fait de la conciergerie Airbnb ou si tu es investisseur locatif mais derrière tu veux booster tes réservations, eh bien, il faut chercher à optimiser son SEO et travailler là-dessus. Hein, d'ailleurs, quand tu fais un site internet pour promouvoir ton entreprise, bah, c'est pareil, il faut bien que tu travailles sur le SEO, donc il y a des techniques et des approches par rapport à ça, il y a des sociétés qui existent qui permettent de faire ça. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est de te faire partager mon expérience, te faire voir comment je fais. Bien évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des formations que je dispense par rapport à ça. Mais là, je vais quand même te donner pas mal d'infos qui, je pense, vont te permettre de comprendre le fonctionnement d'Airbnb. Donc, comment ça fonctionne? Donc, très clairement, aujourd'hui, l'objectif de tout propriétaire qui fait de location courte durée, c'est de se positionner dans les premières pages d'Airbnb et si possible, même la première page d'Airbnb. Donc, l'objectif numéro un, c'est bien être sur la première page. OK? Ça, c'est la première chose. Mais pas seulement. Après, il va falloir aussi augmenter ta visibilité. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que ton listing soit consulté. Parce que qui dit plus de visibilité,
Ok ? Qui dit plus de visibilité dit forcément plus de réservations. C'est, on va dire, statistique. Alors, si à un moment donné, par contre, tu n'avais pas plus de réservations, tu as augmenté ta visibilité de manière importante et que derrière, tes prises de réservation n'étaient pas proportionnelles, là, il faut te poser des questions. C'est aussi des choses sur lesquelles il faut que tu réfléchisses. Pourquoi je ne prends pas de réservation? C'est quoi qui coince? Est-ce que c'est parce que mon listing, il n'y a pas assez d'informations? Est-ce que je suis peut-être trop cher? Il faut vraiment se poser toutes ces questions. Mais avant de se poser cette question-là, il faut bien que tu comprennes le cheminement et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, ce qui se passe, c'est que donc Airbnb va, on va dire durant le premier mois, eh bien, il va regarder un petit peu comment se comporte ton listing. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner les astuces qu'il faut faire pour influencer le moteur. Je ne vais pas t'en parler ici. C'est des informations un peu plus, on va dire un peu plus, pas confidentielles, mais un peu plus que je n'ai pas forcément envie de partager sur cette chaîne YouTube, que je partage avec mes élèves, bien évidemment. Mais là, je vais quand même te donner quelques pistes qui vont te permettre à toi aussi de comprendre. Donc en fait, Airbnb va regarder tout d'abord, comme je te le disais, le point numéro 1, il va d'abord regarder ton trafic. Il va regarder le trafic qu'il y a sur ton annonce. Il va regarder ça pendant un peu, pas régulièrement, mais surtout le premier mois, parce que le premier mois pour lui c'est décisif et ça lui permet de savoir un peu comment ensuite ton listing va se comporter par la suite. Ça va lui donner un bon indicateur. Donc la première chose c'est le trafic. Et pourquoi je te dis trafic? Parce que qui dit plus de trafic dit se donner plus d'opportunités. C'est comme quand tu as un site internet, tu veux vendre un produit, ou c'est comme quand tu as un magasin, l'emplacement c'est le critère numéro 1. Quand tu fais du business, quand tu as un vrai magasin, c'est ça. Si tu as beau avoir les plus belles choses, les meilleurs prix du monde, si derrière tu n'as pas de trafic, tu ne vendras rien. Ben là c'est la même chose. Il faut vraiment que tu aies un maximum de trafic. Plus tu as de trafic, plus tu vas normalement aller chercher plus de réservations. Deuxième chose, Airbnb va vérifier, eh bien, ok, donc il va vérifier par rapport à la page d'accueil si tu as du clic. Donc ça, c'est par rapport à la page d'accueil. C'est-à-dire que si tu te mets en page d'accueil, eh bien, Airbnb va regarder le taux de clic. Ok, ton taux de clic, il va vérifier ça, taux de clic. Donc, vérifier si le fait que tu es sur la page d'accueil, donc il te donne de la visibilité, est-ce que ça clique derrière? Est-ce que ça clique? Pour lui, c'est déjà un bon indicateur. Il va se dire, ok, il y a de l'intérêt pour le listing. Mais finalement, il ne sait toujours pas s'il est intéressant ce listing-là, cette annonce-là. Il ne sait toujours pas si derrière, il y a vraiment quelque chose si derrière, c'est pertinent et que ça correspond aux attentes des voyageurs. Donc là, c'est vraiment depuis la page d'accueil. Si après, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les personnes vont accéder à ton listing soit depuis la page d'accueil, soit elles vont accéder à ton listing depuis, eh bien, donc directement, peut-être en parcourant les pages suivantes, ou peut-être parce que ton annonce a été référencée sur Google, ou peut-être qu'il y a eu des partages sur Facebook, ou peut-être toi dans tes réseaux sociaux. Donc du coup, ce qui caractérise le trafic sur ton listing, c'est vraiment la page d'accueil Airbnb, ok, mais c'est également aussi la page d'accueil, mais également tout le trafic que toi tu vas amener sur ton site, donc tout ce qui est externe finalement. Tout ce qui est externe, mais également aussi tout ce qui est les personnes qui vont passer par Airbnb, mais qui vont peut-être accéder à la page numéro 4, la page numéro 5, etc. Donc en gros, on va dire tout ce qui est trafic hors page d'accueil. Ok, donc là du coup ça va permettre de déterminer le trafic, le nombre de vues qu'a donc obtient ton listing. Là, du coup le trafic en fait c'est le nombre de vues. Ok, ensuite ils vont vérifier donc le taux de clic depuis la page d'accueil, comment ça clique, comment l'interaction qu'il y a par rapport à ton annonce. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi c'est que le premier mois, Airbnb va te donner un coup de boost dans le SEO, c'est-à-dire qu'il va te donner un peu plus de poids. Okay ? Il va favoriser ton annonce pour qu'elle ressorte dans la page d'accueil parce que il va vouloir vérifier justement, voir, ok, est-ce que si je donne plus de trafic, plus de vues, est-ce que derrière, je vais aller chercher plus de clics ? C'est ça qu'il va aller vérifier. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va vérifier l'interaction. Ok ? Donc là, l'interaction, c'est quoi ? C'est, il va vérifier les messages. Est-ce qu'il y a des personnes qui te contactent ? Les demandes de réservation.
Tu sais, ça, c'est tous ceux qui te font des pré-demandes, c'est-à-dire qui te font d'abord une demande avant réellement de valider. Il va vérifier aussi, est-ce que tu es wishé ? Est-ce que tu es dans les wishlist ? C'est-à-dire, est-ce que les personnes te mettent dans les favoris ? Ça, il va vérifier l'interaction. Et enfin, la dernière chose, donc là, du coup, on va passer à l'étape numéro 4, c'est la prise de réservation. Là, du coup, lui, qu'est-ce qu'il va déterminer ? Il va déterminer un taux. Il va déterminer aussi un taux par rapport à sa page d'accueil. OK ? Et là, il va déterminer, pareil, un taux par rapport à la réservation. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ces différents taux-là qu'il va réussir à calculer au fur et à mesure du temps, eh bien, qu'il va comprendre l'intérêt de ton annonce. Ben oui, parce que forcément, s'il se rend compte que derrière, il y a de l'interaction et que derrière, ça enchaîne sur les réservations, que quand il te met en première page d'accueil, tu as un clic qui est vachement intéressant, lui, il va tout de suite comprendre ce qui est en train de se passer. Si à contrario, il t'amène du trafic, tu as du clic, ok, tu as du clic, mais que derrière, tu as peu d'interaction et donc bah, forcément, si tu as peu d'interaction, c'est que tu as peu de réservations. Généralement, c'est plutôt lié quand même les deux. Hein. Eh bien, ça veut dire que ça clique, mais derrière, ça convertit pas. Pourquoi ça convertit pas ? Airbnb, c'est pas qu'il va se poser la question, c'est juste qu'il va se dire, bon, bah, ça convertit pas, son annonce ne convertit pas. Par contre, toi, tu dois comprendre pourquoi ça fait ça. Pourquoi ton taux de réservation ou ton taux d'interaction, il est bas, malgré que derrière, par exemple, tu as augmenté le trafic. Donc, le trafic, il y a plusieurs manières de l'obtenir. C'est notamment par rapport à la page d'accueil, notamment par rapport à des liens externes, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manières aujourd'hui d'aller chercher du trafic sur tes annonces. Mais si tu augmentes normalement, si derrière tous ces taux-là sont des taux plutôt, on va dire, proportionnels, si tu as bien compris que c'est à un moment donné, tu augmentes le trafic et que derrière tout ça, ça suit, eh bien, tu auras tes réservations. Là, ici, ça va s'augmenter. C'est évident. Là, ton nombre de réservations, ça va progresser. C'est évident. Par contre, si à un moment donné, tu augmentes le trafic ou que Airbnb te donne de la visibilité, hop, tu augmentes le trafic, tu n'as pas de taux de clic. Là, il y a vraiment un problème. C'est peut-être la photo, c'est peut-être la description. La première ligne, donc le titre. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours le titre, c'est super important parce que c'est ça qui va aller faire le clic derrière, hein, très clairement. C'est le clic et la photo. Donc, si là, le taux, il n'est pas bon, c'est très certainement la photo et le clic. Si ensuite, tu as du clic, mais derrière, tu n'as pas d'interaction. Pourquoi tu n'as pas d'interaction ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce que tu as des mauvaises reviews ? Bien que je te le dis, généralement, c'est plutôt placé à la fin. Donc, c'est pas quelque chose. Les reviews sont vraiment quelque chose qui est vraiment la phase finale avant la prise de réservation. Mais généralement, c'est plus peut-être parce que ton annonce ne te donne pas assez d'informations. Ou alors, peut-être effectivement, tu as eu des reviews qui étaient vraiment désastreuses. Tu as toujours un nombre d'étoiles. Hein, tu as 5 étoiles. Eh bien, si tu n'as peut-être que 2 ou 3, les personnes vont se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'a pas 5 étoiles ? Généralement, aujourd'hui, normalement, tu dois être entre 4 et 5. Hein. C'est entre 4 et 5. Généralement, tu as 4,5, 4,6, 4,7 et 4,8 et super host. Donc, c'est ça que tu dois aller chercher. Et donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que Airbnb va se dire, bah, pourquoi il y a ça ? Et donc, toi aussi, il faut que tu te poses ces questions-là. Pourquoi j'ai du clic et pourquoi j'ai pas d'interaction ? Pourquoi derrière, ça ne réserve pas ? Donc, ça peut être le prix. Oui, effectivement, ça peut être le prix, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi à un moment donné, eh bien, ça ne convertit pas derrière, malgré que tu as une augmentation de trafic et que tu as quand même du clic. Et puis après, si tu as de l'interaction et tu n'as pas de réservation, généralement, quand même, ces deux-là sont plutôt liés. Mais c'est quand même des choses qu'il faut quand même vérifier au quotidien pour être certain que c'est quand même toujours proportionnel. Ce que tu peux avoir aussi, moi je l'ai sur des appartements, en fonction des moments de l'année, c'est que j'ai des très bons taux de réservation, très bons taux d'interaction, mais j'ai peu de trafic. J'ai peu de trafic, donc là la vraie question, si tu n'as pas beaucoup de trafic, c'est-à-dire que si Airbnb te positionne sur la page d'accueil et que tu as peu de trafic même par rapport à ça, eh bien c'est très certainement parce que ton annonce ne correspond pas à la demande du marché. Je m'explique. Moi, j'ai par exemple des appartements qui sont de grande taille. Eh bien, les appartements de grande taille, c'est, on va dire, une demande plutôt qui est faite longtemps à l'avance par des groupes. Donc, c'est des personnes qui s'y prennent relativement en avance. OK. Et donc, forcément, si tu sens qu'à un moment donné, tu as moins de trafic,
Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il y a moins de demandes sur ce type d'annonce, tout simplement. Ça s'arrête juste là. Donc après, ça va te permettre à toi aussi d'affiner et de savoir un petit peu. Il y aura des mois où tu auras peut-être du trafic, il y aura peut-être des mois où tu en auras moins ce type d'annonce parce que c'est des annonces qui intéressent moins. Donc forcément, tu auras moins de trafic. Alors après, oui, si tu favorises, si tu vas chercher du trafic, normalement, tu devrais aller chercher plus de réservations parce que c'est proportionnel comme je t'expliquais. Mais si Airbnb te donne la visibilité sur sa page d'accueil et que derrière, eh bien, ça ne clique pas forcément, ils vont tout de suite comprendre Airbnb que ton annonce n'est pas quelque chose qui est recherché. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à partir de toutes ces informations-là multipliées par toutes les annonces qu'il y a sur Airbnb, eh bien, eux, ils savent quelles annonces ils doivent mettre en avant ou pas par rapport à tel ou tel mois. Ils le savent déjà. Donc forcément, ils vont pas mettre ton annonce qui a par exemple qui a un 4 chambres où tu sais qu'il y a peu de trafic, il y a peu de demandes. Ils vont pas mettre en page d'accueil ce listing-là. Ou alors, ils vont essayer, mais parce que derrière, ils savent que les taux, ils sont bons. Mais ils savent aussi que c'est pas la demande qu'il y a sur le marché. Ils savent qu'aujourd'hui, le trafic, il est faible par rapport à ça. Et donc, s'ils se rendent bien compte que le trafic est faible ou que le nombre de clics est faible suite au passage sur la page d'accueil, ils vont en déduire que c'est pas une annonce qui intéresse les gens, forcément. Hein, c'est-à-dire que quand, par exemple, tu lances ton listing Airbnb, si par exemple, donc tu vas avoir un booster ici, tu vas avoir un booster, hein, très clairement, dès le départ, dès le premier mois, tu vas avoir un booster. Bon, eh bien, si là, tu as du trafic sur ta page d'accueil, mais que derrière, tu n'as pas de clic, donc de toute façon, ça va suivre hein, très, très clairement, Airbnb va se dire, OK, c'est un listing qui n'est pas très demandé sur cette ville-là. Il ne va pas chercher forcément à comprendre pourquoi. Par contre, toi, tu dois te poser la question. Tu dois dire, OK, j'ai pas beaucoup de clics, j'ai de la visibilité, mais j'ai pas beaucoup de clics, donc ça veut dire que ça intéresse moins, donc faut se poser la question. Et généralement, c'est parce que c'est pas la demande qu'attendent les personnes sur le marché, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas déterminer l'attractivité qu'il y a sur ton annonce, hein, tout simplement. Et après, en fonction de ça, tu vas pouvoir déterminer, donc en fonction de ces points-là, et c'est comme ça que réagit Airbnb. C'est, il prend tous ces points-là, il les mixe avec tous tes concurrents, et c'est comme ça qu'il détermine si. Tu dois bien le voir. Si tu regardes dans ta ville, tu vas voir, c'est toujours plus ou moins les mêmes listings qui sont mis en avant. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, il y a de la réservation, il y a de l'interaction, il y a du clic quand c'est mis sur la page d'accueil. Généralement, c'est parce que c'est un listing qui correspond aux besoins du marché. Et généralement aussi, c'est quand même parce qu'il est dans le prix. Il est peut-être même pas cher. Ben oui, parce que si forcément tu n'es pas cher, et surtout au départ quand tu te lances, essaie de te mettre un prix assez attractif pour que du coup, ça enchaîne tout de suite. Les interactions, la réservation, clac, clac, ça enchaîne. Tu as du trafic, tu as du clic, pof, 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 ça enchaîne. Et du coup, derrière, bing, c'est bingo. Parce que derrière, toi, tu prends des réservations. Dès que lui donne du trafic, tu as du clic, tu as de l'interaction, tu as de la réservation. Et donc forcément, lui va se dire, OK, ça, c'est un listing qui cartonne. Je le positionne en top recherche. Et tu verras, fais la recherche sur ta ville. C'est généralement toujours plus ou moins les mêmes qui ressortent. Alors, effectivement, là-dedans, je ne t'ai pas mis tout ce qui est super hot. Tout ce qui est super os, parce qu'effectivement, tu as le statut super os qui, lui, te donne un booster par défaut. Mais ce n'est pas celui qui est utilisé le plus par Airbnb. Il est utilisé, mais tu regarderas. Ce n'est pas forcément… celui-là va te donner un coup de boost. Oui, effectivement, parce que indirectement, les personnes qui sélectionnent ceux qui sont super os, naturellement, ils vont aller sur des listings super os. Donc forcément, tu vas récupérer du trafic que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas ce statut-là. Mais je peux te le dire, il n'y a pas besoin d'être super os pour faire du business, gagner de l'argent sur Airbnb et faire du cash flow et gagner de l'argent tous les mois grâce à ce principe de visibilité. Donc, on a terminé sur cette partie vraiment théorique. Maintenant, ce que je te propose, eh bien, si ça t'intéresse, c'est de passer vraiment sur mon écran. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser tu vas voir tout en bas de cette vidéo, je vais te mettre un lien, tu cliques et ça va te permettre de récupérer cette vidéo qui normalement est une vidéo que je réserve à mes élèves, à ceux qui ont pris mes formations. Mais là, exceptionnellement, je vais vraiment te la mettre à disposition. Tu la télécharges, ça permettra d'avoir une… ça permettra de toi aussi de te former par rapport aux statistiques Airbnb et comprendre vraiment le fonctionnement du SEO sur Airbnb. Donc là, je ne t'ai pas donné toutes les astuces et toutes les pistes pour aller chercher du trafic notamment, mais tu as quand même pas mal d'informations qui vont à toi aussi te permettre d'avancer et d'optimiser ton référencement sur Airbnb. Voilà, donc on a terminé. Tu vas voir, tu vas découvrir tout en bas. Je vais te mettre un petit lien, tu vas du coup y aller, cliquer, renseigner ton email et du coup tu vas recevoir une vidéo qui va t'expliquer comment je fais pour exploiter les statistiques et comment comparer ça par rapport aux autres listings qui sont présents
dans ma ville. On a terminé, je te souhaite une excellente journée, mais avant ça, je vais quand même te demander de commenter ou de partager cette vidéo, ça me fera plaisir et surtout ça permettra aussi d'aider tous ceux qui sont comme toi et qui font du Airbnb et qui veulent trouver des moyens pour chercher et prendre plus de réservations et surtout se démarquer par rapport à la concurrence. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé, je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao.